Alors, on va papoter un peu. Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, la première école de séduction de France. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau sujet de la playlist Parlons Tabou, puisqu'aujourd'hui on va parler d'argent. Quoi de plus tabou, j'ai envie de vous demander. Alors dans cette rubrique, on va voir comment draguer quand on est pauvre. Alors, pourquoi j'ai voulu vous faire ce sujet? J'ai voulu vous faire ce sujet parce que c'est probablement la problématique la plus récurrente de la majorité de mes clients. Je parle bien ici de mes clients attitude séduction, mais c'est aussi le cas de certains de nos clients Morning Kiss. Comment draguer, comment séduire quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent sur son compte en banque? C'est aussi le cas bien des étudiants, puisque par définition, si on étudie, on ne travaille pas, ou alors on fait les deux en même temps, et dans ce cas, on manque de temps. Mais en tout cas, c'est une problématique qui revient et ça devient rapidement créateur et évocateur de complexes. Pourquoi? Parce que, de façon assez claire, la drague est une affaire de dépenses. Pourquoi? Parce que la première idée pour aller séduire une nana, ça va être d'aller boire un verre avec elle. Or, le verre, c'est généralement l'homme qui va le payer. Du moins, si c'est vous qui proposez à la fille, eh bien, d'aller boire un verre, ça va être à vous de le payer. Donc, on est face à un problème. On est face à un problème parce que quand on n'a pas forcément d'argent, eh bien, on se dit qu'on ne peut pas forcément aller draguer à droite à gauche, certes. Le problème, c'est qu'au 21e siècle, actuellement, eh bien, la tendance, c'est que l'argent est un évocateur de valeur. C'est-à-dire que si vous en gagnez beaucoup, vous êtes, entre guillemets, quelqu'un d'intelligent, de cultivé et d'intéressant. Si vous n'en gagnez pas, c'est que vous êtes quelqu'un de bas de gamme. Globalement, c'est un petit peu l'idée et c'est déplorable, mais c'est rapidement ce que les contraintes sociales aujourd'hui sous-communiquent et je trouve ça très bas, mais malheureusement c'est pas moi qui maîtrise. Donc ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que le problème il n'est pas forcément là où vous pouvez le penser. Le problème, donc le réel problème, ce n'est pas l'argent ou le manque d'argent que l'on gagne ou que l'on ne gagne pas, mais finalement ce que ce manque d'argent vous sous-communique à vous-même. La façon dont vous allez vous voir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui l'argent inconsciemment est vu comme la récompense à une action. Or l'action est la prime du leadership. Est vraiment la façon dont un leader agit. Or, quelque part, ce que vous pouvez vous dire, c'est que si vous n'avez pas d'argent, c'est donc que vous n'agissez pas. Si vous n'agissez pas, c'est que vous n'avez pas le profil pour être un leader. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, heureusement. Donc maintenant, on va voir un petit peu les principes clés de la drague quand on est pauvre, entre guillemets. La première chose que je voudrais vous dire, c'est de faire réellement la différence entre « je ne gagne pas beaucoup d'argent » et « je n'agis pas pour en gagner un peu ». Je veux dire par là que si vous avez des études ou vous avez un travail qui vous épanouit, d'accord, vous ne gagnez pas 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros par mois, mais ce que vous gagnez, eh bien vous le gagnez de la sueur de votre front pour quelque chose qui vous passionne. Eh bien, si vous avez un travail dans lequel vous ne gagnez pas beaucoup, mais qui vous passionne, dans lequel vous êtes en adéquation avec vos valeurs, avec vos envies, etc., je pense par exemple aux gens qui travaillent dans des associations, eh bien, dans ces cas-là, ce n'est pas un problème du tout, puisque vous assumez, eh bien, le fait de vivre d'un métier, eh bien, qui vous passionne et que l'argent, ben, c'est pas le plus important pour vous. Et ça, c'est typiquement du leadership tel que, qui est réellement un facteur de confiance en soi et d'attirance pour la gente féminine. Si vous travaillez dans un domaine qui vous passionne, dans un domaine dans lequel vous vous assumez, que vous vous assurez, eh bien sachez que ça va être au contraire très valorisant. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple tout à l'heure de ça, mais c'est pareil pour les étudiants. Si vous étudiez dans un domaine eh bien que vous avez choisi, si vous êtes en médecine, si vous galérez, si vous n'avez pas d'argent parce que vous mettez tout dans vos études, eh bien ça, c'est quand même un facteur d'attirance pour la gente féminine. En revanche, si vous n'avez pas envie ou de travailler davantage pour quelque chose qui vous passionne, si vous n'avez juste pas envie de travailler, alors dans ce cas vous allez devoir agir avec astuce pour allumer la flamme autrement et séduire autrement par le biais de restaurants ou de cafés, etc., etc. On en parlera un peu plus tard. En tout cas, il y a quand même quelque chose à bien comprendre, c'est qu'il y a réellement tout de même une barrière sociale. Vous ne pourrez pas draguer n'importe qui, de n'importe quel monde, entre guillemets, si vous n'avez pas une certaine aisance, pardon, sociale dans certains milieux. Je veux dire par là que certaines femmes ont besoin d'accordement. C'est-à-dire que si vous êtes un homme
qui habite dans un tout petit studio dans les hauteurs du 19e arrondissement, que vous ne vous habillez pas, vous habillez en jogging basket tous les jours parce que c'est comme ça que vous vous sentez à l'aise, ça va être très difficile pour vous de prétendre à séduire, de réussir à séduire une femme qui est dans un certain cadre social, avec qui a une certaine image et qui a envie d'avoir à son bras un homme qui est le même type d'image qu'elle. Et ça, bien, ça peut être normal et c'est tout à fait acceptable. Alors évidemment, il ne faut pas non plus prendre ça à la lettre et prendre ça aussi comme excuse pour ne pas aller séduire. N'hésitez pas à aller vérifier mes propos, à aller vérifier ce que vous pouvez penser. Surtout que les besoins d'accordement, ils vont surtout se faire pour des exemples extrêmes. Là, si c'est la petite nana, bien sûr que vous pouvez aller la séduire. C'est pas parce qu'elle est un petit peu plus socialement élevée que vous ne pourrez pas essayer d'aller la draguer. Alors pour illustrer mes propos, je vais vous donner deux exemples personnels de deux hommes avec qui je suis sortie. Le premier, on va l'appeler Raphaël, de toute façon c'était son prénom, et le second par contre je vais le changer, on va l'appeler Mathieu. Alors Raphaël, c'était un jeune homme qui était bien plus âgé que moi, je crois qu'on avait 10 ou 12 ans de différence, et il se trouve que ce jeune homme était étudiant en neurocybernétique, il passait son doctorat, et il n'avait pas beaucoup de thunes, il n'en avait même pas du tout. Mais j'étais extrêmement attirée par lui. Pourquoi ? Parce qu'il y avait toute cette bienveillance qui dégageait, le fait qu'il assumait son travail, qu'il l'assumait alors que c'était quand même un homme qui avait un diplôme d'ingénieur avant et un diplôme d'école de commerce. Il a tout de même tout viré de sa vie pour pouvoir se consacrer à son doctorat de neurocybernétique. Donc il n'avait pas d'argent, mais il avait l'ambition. Il assumait qui il était, il avait cette culture, il avait cette passion en fait qui le dévorait, qui le faisait briller dans ses yeux. Et pas une seconde, j'ai eu envie de m'en séparer simplement parce que je gagnais mieux ma vie que lui. J'ai pas du tout eu cette idée-là parce que ce qui m'apportait me donnait l'impression que je pouvais avoir confiance en lui. Et j'ai réellement eu confiance lui, on a eu une belle petite histoire ensemble. En revanche, l'exemple de Mathieu est totalement différent. Les deux gagnaient à peu près le même salaire, mais c'était pas un salaire, on va dire, ils avaient les mêmes types de virements, on va dire, sur leur compte en banque, mais Mathieu, lui, il était chômeur, il ne travaillait pas, ce qu'il faisait, c'était des petits boulots à droite à gauche, mais rien de stable, parce qu'il avait pourtant très envie, d'après ce qu'il me disait, de se stabiliser, mais à côté de ça, les actions ne suivaient pas. Et moi, ce que ça me montrait, c'est que la personne n'était pas alignée, elle me disait des choses, et derrière, elle ne faisait pas ce qu'il fallait pour, et rapidement, je me suis sentie extrêmement déstabilisée, je me suis pas sentie à ma place, et notre histoire a duré vraiment 15 ans. Alors maintenant, on va voir ensemble quelques petites astuces pour pouvoir draguer, pour pouvoir séduire au quotidien sans se ruiner lors d'un date avec une nana. Alors la première chose, c'est de vous rappeler que les femmes sont des êtres en majorité, en partie évidemment, des êtres émotionnels. C'est-à-dire que ce qui va faire votre force, c'est de tout simplement réveiller ses émotions. Et ça, on peut le faire notamment en créant des formes de tableaux humains, en créant des tableaux même graphiques qui vont réveiller ses sensations, réveiller ses émotions. Et ça, ça va être possible grâce à des attentions personnalisées que vous allez donc pouvoir faire. Puisque quelque part, quand on fait un resto ou quand on fait un verre, bien c'est ce qu'on fait typiquement. Donc vous ne prenez pas de risque. Alors que si vous créez une attention personnalisée avec une fille, vous allez prendre un risque et donc vous allez pouvoir sous-communiquer que vous avez du leadership, vous avez de la confiance en vous. Ces petites attentions personnalisées, ces petits tableaux, ça peut être tout simplement une balade dans Paris. Une belle balade dans Paris ou un pique-nique. Dans Paris, ça vous revient pas très cher. Il suffit que vous preniez des sandwichs, que vous les fassiez même vous-même, que vous prépariez un petit truc pour elle, une petite attention pour elle, et donc pas pour les autres filles, c'est ce qu'elle va penser dans sa tête. Ça va être génial parce qu'elle va se sentir tout à fait charmée, elle va se sentir unique à vos yeux. Et croyez-moi, c'est pas parce que vous avez pas mis la main au porte-monnaie que elle n'aura pas l'impression d'être privilégiée pour vous. Simplement. Autre point important, et là je mets mon warning, et c'est exactement ce qui s'est passé avec
c'est surtout, surtout pas de tout lui faire payer. Jamais de la vie, même si elle a les moyens, même si quoi que ce soit, vous ne lui faites pas tout payer. Vous êtes dans une relation d'égal à égal. Donc, eh bien, vous prenez des restaurants, des verres, ou bien vous faites un petit truc chez vous, mais vous faites des choses qui sont en cohérence avec vos moyens. Parce qu'il y a quand même un certain charme, et surtout un principe moral qui me semble totalement normal, eh bien, d'assumer vous aussi un petit peu financièrement les rendez-vous que vous lui proposez. Avec Mathieu, ça a été le gros problème, c'est-à-dire que lui me faisait quelque part presque tout payer, et moi j'avais cette impression, même si je gagnais bien ma vie, eh bien, de devoir plus ou moins le rincer, et j'aimais pas ça du tout, et donc j'ai rapidement mis un terme à la relation. Enfin, le fait d'assumer, eh bien, le fait que vous n'avez pas forcément de moyens, eh bien, ça va paraître extrêmement paradoxal, mais ça peut tout simplement séduire. Puisque si vous assumez, c'est comme la timidité, si vous assumez le fait que vous n'avez pas beaucoup d'argent en ce moment, comme l'avait très bien assumé d'ailleurs Raphaël, eh bien, la fille, vous ne la mettez pas dans l'embarras et vous mettez quelque part à nu face à elle, et avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de maturité, elle pourra parfaitement comprendre que vous n'allez pas vous faire le rite sous le crayon demain ou après-demain. Mais en tout cas, la bonne chose à faire, c'est de le dire. Parce que oui, vous allez assumer, vous allez éviter tout ce qui est tabou et tout ce qui est messe basse, et en plus de ça, vous allez pouvoir la séduire d'une certaine façon. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et alors n'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire, n'hésitez pas à me liker la vidéo, à dire ce que vous en avez pensé, si vous avez envie d'avoir de nouveaux sujets tabous. Je répondrai via mon compte Attitude Séduction Personnelle en coaching à vos questions par commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à voir nos autres vidéos Morning Kiss. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.